visiter, vous allez découvrir des affiches et des spots qui ont été réalisés par des groupes d'étudiants. Ensuite, vous allez jouer un rôle très important, puisque nous allons vous demander de voter et d'élire l'affiche et le spot que vous aurez préféré. Après cela, nous aurons le plaisir de diffuser le grand zapping des meilleures publicités mondiales. Après, il y aura la remise des prix. En tout, 5 prix seront décernés ce soir, 3 par notre jury et 2 par vous, le public. Donc je tiens vraiment à souligner l'importance de vos votes, parce qu'il y a de magnifiques cadeaux à la clé pour nos gagnants, tels que des concessions publicitaires, des consoles de jeux, des voyages, du matériel wifi et des écrans plats. Enfin, l'un de vous repartira ce soir avec un écran plat, puisqu'il y aura un tirage au sort. Donc gardez bien votre ticket avec votre numéro, puisqu'à la fin de la soirée, vous serez peut-être notre grand gagnant du tirage au sort, et nous vous demanderons ce ticket. Merci encore. Je passe maintenant la parole au président de l'association, Benjamin Desmarais. Mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir ce soir au Théâtre Sébastopol de Lille pour la seconde édition des Étoiles de la Culture. Au cours de cette soirée, seront récompensés les étudiants les plus talentueux, ayant participé à notre concours de création publicitaire Interéclub. Nous vous proposerons aussi un condensé du meilleur de la publicité mondiale, le plus drôle, côtoiera le plus original et le plus osé. Nous avons créé cet événement l'année dernière dans le but de révéler le potentiel créatif de ceux qui feront peut-être la publicité de demain. Cet objectif n'a pas changé. Blaise Sambard affirmait « La publicité est la fleur de la vie contemporaine, car elle touche à la poésie. » Alors ce soir, récompensons le talent, l'originalité, l'audace, pour mettre en valeur la dimension artistique de la publicité. Et nous ne pourrions pas être là ce soir sans le soutien sans faille de nos partenaires. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir le cabinet Deloitte et Associés, partenaire officiel de l'information. Le groupe Henkel. Crédit Mutuel Nord-Europe. 4 360 euros à la CG. Je souhaite également remercier chaleureusement, au nom de toute l'association, l'ensemble des membres du jury des Étoiles de la Culture 2009. L'association est très reconnaissante de l'aide précieuse apportée par le groupe EDEC dans la réussite de notre projet. Je laisse maintenant la parole à M. Charles, associé du cabinet Deloitte Bureau de Lille et président du jury des Étoiles de la Culture 2009, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Très bien, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord dire deux mots pour dire que Deloitte est très fier d'associer son nom à celui de l'association CityCube depuis 2 années maintenant. Et je remercie également tous les membres de l'association pour les prestations.